Salam alaikum, Mazul Filaoun, bonjour. Hier, j'avais fait une erreur, je m'en excuse, j'avais annoncé le titre de l'émission, manifestation du 24 février, J-4. En fait, je me trompais, c'était J-3. Et donc, le titre d'aujourd'hui est manifestation du 24 février, J-2. Plus que deux jours, donc, aujourd'hui et demain, pour savoir si les Algériens vont sortir dans la rue, s'ils vont répondre aux appels de l'opposition et des nombreuses personnalités de la société civile de manifester leur opposition à l'exploration et à l'exploitation du gaz de schiste. Jamais, et nous ne le dirons jamais assez, depuis l'indépendance du pays, un tel appel n'a été lancé. Jamais les Algériens n'ont été ainsi invités à descendre dans la rue de façon massive, partout dans le pays, de porter haut et fort des revendications aussi vitales que celles-ci. Et jamais, depuis l'indépendance du pays, plus d'un demi-siècle, les populations du Sahara ne se sont autant défiées du régime, elles qui étaient ses plus fidèles soutiens, alors qu'elles en étaient les premières victimes. Des Algériens se mobilisent donc jusqu'au sein de la diaspora, en Europe et dans le monde, pour s'opposer à ce qui semble être une feuille de route dictée par des lobbies pétroliers. De son côté, le régime semble paniquer. Il ne s'attendait vraisemblablement pas à une action d'une telle envergure. Il était persuadé que le peuple algérien n'existe plus, qu'il n'est plus qu'une agglomération d'individus égocentriques, obnubilés par leurs seuls intérêts, qui ont été définitivement vaccinés contre toute velléité de contestation politique. Ce régime le sait d'autant plus, il en est d'autant plus convaincu, que c'est lui-même qui a tout fait pour extirper de la conscience collective toute capacité à l'union, à la solidarité, à l'amour du pays. Il le sait d'autant plus qu'il a vidé la scène politique de toute force réellement organisée, ancrée dans la société, capable de mobiliser les citoyens. Les partis réellement intègres, ceux qu'il n'a pas réussi à tuer, il les a corrompus ou affaiblis au point où ils ne sont même plus capables de rassembler quelques milliers de contestataires. Le peu de partis politiques qui ne fricotent pas au râtelier, qui ne sont pas devenus des épiceries politiques, ont finalement compris qu'il ne leur restait qu'une seule possibilité de résister au rouleau compresseur du régime, à ses méthodes de corruption ou d'intimidation, une seule méthode, une seule possibilité d'éviter sa désinformation et sa propagande. Ils ont compris qu'ils n'avaient plus donc qu'une issue, l'union. Et c'est de cette manière qu'est née l'idée de lancer une action nationale de contestation, ensemble. Mais le meilleur et le plus prometteur est que d'autres personnalités de tous horizons se sont reconnues dans cette initiative sans pour autant adhérer à l'esprit de la CLTD et de ses ancrages politiques. Des intellectuels qui activaient chacun de son côté jusque-là et qui observaient la situation sans s'impliquer vraiment se sont tout naturellement retrouvés embarqués dans la même initiative, parce que c'est ce qu'il fallait faire, parce que c'est la seule démarche possible, parce que le temps est venu de se porter au secours du pays avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'inéluctable explosion de colère ne se produise. Une lame de fond se lève donc, mais comme c'est la première qu'elle se produit à une telle échelle, personne n'est en mesure de dire ce que sera l'adhésion des Algériens. Tout simplement parce que, comme nous l'avions déjà signalé, c'est la première fois que nous assistons à un tel événement. Le régime, non plus, ne sait pas à quoi s'en tenir. Nous ne savons pas ce qu'il a préparé comme mesure, sauf qu'il a déjà envoyé au charbon certains de ses relais les plus fidèles, comme l'UGTA de Sidi Saïd, le MPA de Ammar Abni Younes ou le Tej de Ammar Ghoul. Pour le PTD, travailleurs, nous ne savons pas très bien, de Louisa Hennoun.
Des alliés du régime tellement exécrés par les Algériens que leur engagement aux côtés du régime va décider certains hésitants à rejoindre la manifestation antichiste finalement. Ce qui fait dire à certains observateurs que le régime aurait voulu pousser les Algériens à sortir dans la rue, qu'ils n'auraient pas mieux agi en demandant à ces relais de pratiquer une sorte de contre-manifestation. En tous les cas, le régime continue d'agiter les peurs à tous ceux qui exigent un changement, l'instauration d'un état de droit ou simplement l'arrêt de ces explorations et de ces fracturations hydrauliques. Il répond que toute contestation ne manquera pas de replonger le pays dans une autre décennie rouge. Et maintenant, il rajoute à ces scénarios de l'horreur la libyanisation ou la syrianisation du pays. Façon de dire, si vous voulez me chasser, alors je vous plonge dans l'horreur. C'est moi ou le chaos. Voilà. Aujourd'hui, avec nous, aujourd'hui plutôt, la presse. Reporter DZ. Refusant de participer à la marche du 24 février, le Front du Changement appelle au consensus national. L'Écho d'Algérie. Appel de la CNLTD à des manifestations pour le 24 février. Roule, met en garde contre le risque d'embrasement. Par Abdallah M. Al-Watan. Manifestation du 24 février. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme appelle à un rassemblement à Wahran par El Kibir Akram. Avec nous aujourd'hui Zine Bazouz, universitaire Constantine, Zoher Ruiz, secrétaire national de Gil Jadid France, Kaddour Chouicha, coordinateur national des syndicats des enseignants du supérieur. Zine Bazouz. Allô? Zine Bazouz, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum. Alors Zine, quel est votre sentiment au sujet de ces manifestations qui se préparent? Je préfère rester prudente. Non pas que du côté des menaces, je ne crains rien. Je suis parfaitement confiante quant à l'efficacité répressive de notre pouvoir. Je reste néanmoins réservée par rapport à la mobilisation de la population. Hélas, on est bien obligé de le dire. J'aimerais bien que ce soit un point de départ de quelque chose, d'une cristallisation quelconque, mais je ne sais pas. Que les scientifiques s'en mêlent, c'est certainement un bon signe, mais n'est-ce pas là un signe d'apolitisme? Je ne sais pas. Honnêtement, Jamaldine, j'ai des réserves quand on me dit que les scientifiques se mobilisent dans un pays où on sait très bien que ni la science, ni la probité, ni les urnes n'ont empêché le pouvoir d'envoyer les gens dans les camps. Mais Zineb, vous semblez sceptique, ça veut dire que vous croyez que les Algériens ne vont pas sortir dans la rue pour dire les choses comme elles sont? Je ne crois pas honnêtement. À ce point, vous êtes... C'est-à-dire que nous sommes installés dans un faux confort qui fait que malgré tout, l'impact de ce que subissent les gens du Sud reste mitigé au Nord. C'est un pays qui n'est pas... qui s'est arrangé pour que réellement chacun reste dans son camp et que les gens se détestent entre eux, que les corporations se détestent, que les méfiances s'installent, et puis n'ayant pas peur de dire les choses comme elles sont, après tout, le Sud, c'est loin. Mais Zineb, est-ce que vous ne pensez pas, vous, une battante, vous qui êtes du genre à ne jamais désespérer de leur peuple, est-ce que vous ne pensez pas qu'un tel pessimisme pourrait être démobilisateur? Non, disons que je ne suis pas pessimiste au sens où je n'appelle pas du tout les gens à dire, et je ne me permettrai pas, ne sortez pas, ne faites pas confiance à un tel. J'observe et je ferai tout pour être dedans avec les réserves qui s'imposent. Il faut absolument qu'on apprenne à faire la différence entre se retrouver ensemble, fréquenter les mêmes couloirs et se retrouver ensemble pour un projet bien clair. Je ne pense pas qu'on puisse affronter un tel pouvoir avec l'apolitisme. Mais Zineb. Je ne pense pas qu'on puisse affronter non plus
avec l'amnésie, la complicité véhiculée par les partis politiques agréés. Mais Zeynep, nous ne pouvons pas parler de crime, Jamel Din, aujourd'hui, oui. en 2015, quand on a tué et quand on a tout fait pour être les meilleurs complices des crimes de sang. Mais Zeynep, est-ce que vous ne pensez pas, très franchement, que ce oui. n'est pas le moment de jeter la pierre à ceux qui s'engagent sur le terrain, de leur chercher leur casier judiciaire d'il y a 20 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que la rédemption est possible, que tout un chacun a le droit de revenir vers le bon chemin, vers le droit chemin, et qu'il faut le juger à l'action qu'il mène maintenant en ce moment, quitte à ne pas adhérer à ses visions politiques. Mais à partir du moment où l'action est méritoire, pourquoi ne pas s'engager? Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager, mais tu le dis très bien. Rédemption, ces gens, nous ne les avons toujours pas entendus à propos des crimes du pouvoir et de la nature réelle de ce pouvoir. Les gens, les politiciens, entre guillemets, du terrain agréés, sont en train de se placer dans les querelles du pouvoir à l'intérieur du sérail et toujours en réaction à des actions occultes ou directes. Je ne jette pas la pierre aux militants sur terrain, aux gens qui sont emprisonnés, aux gens qui sont malmenés, aux anonymes, aux gens qui essayent de créer des syndicats autonomes, aux militants du Sud esselés. Ça, ce n'est pas la même chose. Qu'on me dise qu'il y a une jonction, qu'il y a peut-être une union qui va se faire sur la base d'un projet, je veux bien, mais ne nous l'aurons pas. Le gaz de schiste n'est pas suffisamment, hélas, modérateur pour que la société bouge. Le traumatisme, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas chercher l'époux ni le casier judiciaire des gens, qu'on le veuille ou non, Jamel Din, le traumatisme de la seule guerre, tant qu'il n'a, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas ethnologue, mais nous ne pouvons pas construire sur le néant, sur le vide, sur l'amnésie, le mensonge. Restez avec nous, Zeynep. Restez avec nous, nous allons voir nos autres invités et nous revenons vers vous. Zoher Ruiz, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous avez publié un communiqué en France dans lequel vous invitez les Algériens de la diaspora à rejoindre les manifestations en soutien à la population d'Ain Salah pour demander l'arrêt immédiat de l'exploitation des gaz de schiste. Ces manifestations auront lieu à Paris, Lyon, Londres et Genève. Quelle est la situation à votre niveau? Comment ça se présente? Est-ce que vous êtes optimiste? Écoutez, les choses, il y a une dynamique de mobilisation qui fait que la communauté algérienne veut exprimer, manifester à sa façon, même s'il le fallait de manière symbolique. En tout cas, elle veut manifester son soutien aux populations du Sud, de manière générale, à la population, aux habitants de Ain Salah en particulier, qui manifestent contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Par là même, la communauté algérienne veut montrer qu'elle est intéressée par ce sujet, elle est concernée par ce sujet, qui est un sujet de souveraineté nationale. Vous savez, la CNTD a appelé à ces manifestations sur tout le territoire le 24 février. Ce n'est pas anodin, c'est la date anniversaire du recouvrement des hydrocarbures. Et en tant qu'élément... important et structurant de la souveraineté nationale. Et de ce point de vue-là, le gaz de schiste, c'est la même chose. Voilà, donc ça se prépare dans de bonnes conditions. Là, je viens de quitter encore les réunions préparatoires. Et on voit bien qu'il y a une vraie volonté de soutenir cette action, qu'il y a une vraie dynamique de mobilisation. Et j'ai entendu votre invité. Je pense que là, sur cet élément-là, sur cet événement-là, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il y a un sujet structurant, un sujet d'avenir qui concerne les générations actuelles et les générations futures, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et c'est pas anodin non plus que la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique s'est retrouvée aussi autour de ce sujet. Et nous travaillons tous ensemble. C'était bien le point commun, travaillons tous ensemble à l'évacuation de ce régime. Mais Zoher Ruiz, des personnalités oui. de tous bords rejoignent le mouvement, tout en précisant que c'est dans l'action qu'ils s'engagent et qu'ils ne se situent aucunement dans le sillage de la CLTD. Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, ça veut dire que nous cristallisons un certain nombre de bonnes volontés et d'initiatives
autour de sujets nationaux qui concernent la nation. Voilà, c'est ça la réalité. Et je peux vous dire, par exemple, à Paris, et je les remercie, il y a eu la CNCD France qui regroupe le RCD, le MSP, l'Adela et Gilles Jadid. Et bien, autour de cette CNCD sont venues des associations comme ACA, Action pour le Changement, comme la coordination contre le gaz de schiste, comme l'initiative Ebtikar, comme les étudiants nord-africains. Ils sont venus aussi soutenir cette initiative. Ils ne sont pas venus s'encarter à l'intérieur des partis, mais ils ont considéré eux aussi, comme la CNCD, qu'il y avait là un sujet majeur. Ce n'est pas juste une question de gaz de schiste. Nous sommes sur un élément structurant de l'avenir du pays. Nous sommes sur des éléments de stratégie de développement pour le pays à long terme. Et tout le monde se retrouve pour dire que ce régime est illégitime. Il ne peut pas engager le pays, les générations futures. Restez avec nous, Zoher Ruiz. Kaddour Chouicha, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, vous organisez un rassemblement à Oran. L'Ouattan s'en est fait le relais, donc le relais de cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, l'Ouattan a un peu, disons, n'a pas donné toute l'information. Oui. Parce que c'est suite à l'appel fait par l'ISCO que nous avons réagi. C'est-à-dire, nous n'avons pas réagi. L'initiative rentre dans le cadre de l'appel qui a été fait par l'ISCO, l'instance de suivi de coordination de l'opposition. D'accord. On a là des membres de l'ISCO, donc nous nous sommes engagés. Mais vous. Cependant, oui. Une différence. Oui. C'est que non seulement nous réagissons en prenant comme premier mot d'ordre de soutien à nos compatriotes de Haïm Sadat, mais aussi de soutien aux militants prisonniers de la ville d'Orval, ainsi que soutien aux militants d'Alger qui a disparu pendant 9 jours et qui a réapparu après une mobilisation. Alors, Kaddour Chouicha, Ammar Ghoul a déclaré que dire que nous soutenons nos compatriotes de Ain Salah est une sorte de sédition. Et il déclare aussi, alors je vous le lis, je le cite, « La conjoncture actuelle marquée par de nombreuses zones de turbulence dans la région ne permet pas de jouer avec le feu et de mettre en péril la stabilité et la sécurité de notre pays. » On peut ne pas se mettre d'accord avec l'opposition sur plusieurs questions, etc. Mais lorsqu'il s'agit de la stabilité et la sécurité, on dit stop. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà ce qu'il vous répond Ammar Ghoul. On ne peut être que d'accord avec lui, juste qu'on n'utilise pas le même dictionnaire. Ah. Pour nous, il y a actuellement au niveau de Ain Salah une instabilité. La population ne travaille plus depuis 50 jours. Il y a vraiment les germes d'une instabilité qui a été créée par la décision unilatérale du pouvoir de vouloir exploiter le gaz de schiste. Donc nous voulons ramener la situation, nous voulons apaiser la situation dans le sens où nous disons qu'il faut suivre, il faut entendre la population de Ain Salah. Il faut cesser de faire peur aux Algériens, il faut cesser d'abdiquer devant les puissances étrangères. Donc voilà ce que ça veut dire pour nous. La stabilité. La stabilité, c'est d'abord réfléchir et répondre aux revendications des Algériens. C'est ça pour nous la stabilité. Et le rassemblement auquel vous appelez, est-ce qu'il concerne uniquement les enseignants du supérieur d'Oran ou Non, moi j'ai agi en tant que membre de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Ah, d'accord. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Très bien. Qui a pris cette initiative en charge. Mais nous appelons tout le monde à réagir, à participer, sauf que je voulais faire un bémol, c'est-à-dire que nous sommes des militants long cours. Nous ne pensons pas qu'il y a un moment où ça va éclater. Je pense que nous avons fait partie de la CNCD, nous avions dit à l'époque qu'il faut casser le mur de la peur, et nous pensons que le militantisme, c'est un apprentissage. Ce n'est pas une génération spontanée. Absolument. Donc nous inscrivons dans le militantisme. Nous espérons que ce moment-là apportera un plus, sans rêver et sans dire que ça va changer radicalement la chose, mais nous pensons que le militantisme, c'est aussi l'accumulation des expériences, des apprentissages. Donc nous inscrivons, sans nous mentir à nous-mêmes, c'est-à-dire nous espérons faire une avancée ensemble, collectivement,
avec tout le monde, avec tous ceux qui décident. Restez avec nous, Khaddour Chouicha. Zine Bazouz, l'UGTA, le MPA de Ben Younes, le TEJ de Ammar Ghoul, le RND de Ben Salah, et probablement aussi, on n'en est pas sûr, le Parti des travailleurs de Louis Ahnoun organise des contre-manifestations, en quelque sorte. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cet engagement des relais du régime contre les manifestations qui se préparent? Ils sont dans leur rôle. Quand on leur demande de jouer au Palpaglia, ils le jouent. Quand on leur demande de justifier la torture, ils le font. Quand on leur demande d'accuser les autres d'être manipulés, ils le font. Là, vraiment, à la limite, c'est un non-événement. Ils sont là pour casser le militantisme, qu'on vient de l'expliquer très bien, Khaddour Chouicha. Ils sont là pour rappeler qu'il ne peut pas y avoir de militantisme au quotidien dans ce pays, qu'il n'y a que des événements électoraux, que des événements phares, que eux dirigent et même toute action politique ne peut s'inscrire que dans les calendriers que décident. Une action qui ferait réagir le boulanger, la mère de famille, l'étudiant est une action à prohiber de tous les points de vue. À la limite, ils préféraient avoir affaire à leur parti politique agréé selon la notion de politique agréée dans ce pays. Mais il est clair que laisser les gens aller militer autour de principes de liberté, de dignité, autour pour dénoncer les arrestations arbitraires, pour dénoncer l'hégémonie des multinationales, pour dénoncer l'absence de clarté, l'absence de lisibilité, ça ne les intéresse pas. Eux, ils aiment bien des petits discours, on parle de corruption, de ça va pas, mais des dossiers clairs, détaillés, précis, où on va dire un tel puits a été cédé à tel prix, tel danger guette telle population, où on va rappeler la misère généralisée, institutionnalisée au sud, mais pas seulement au sud. C'est une fédération, ce sont des idées qui ne les intéressent pas. Ils ne veulent pas que la société civile bouge et réagisse au quotidien et à long terme, parce qu'ils savent que c'est le long terme, le quotidien et l'engagement à la minute qui fera bouger les choses, et non pas des manifs et des contre-manifs. Mais là, ils sont vraiment dans leur rôle, ils sont vraiment obligés, par rapport à leur maître, de fait d'aller faire du bon boulot. Restez avec nous, Zine Bazouz. Zoher Ruiz, imaginons ou rêvons que cet appel à la manifestation, à un sursaut national, imaginons qu'il soit massivement suivi, que dans toutes les villes d'Algérie, que dans la diaspora, des manifestations importantes se tiennent, des rassemblements, des marches, des sit-in. Si ça se produit, vous pensez que ça pourrait être un tournant historique? Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on nous le souhaitons. En effet, cela participera et précipitera probablement la chute de ce régime que nous souhaitons. Ça veut dire que les Algériens ont atteint ce niveau de maturité civique et politique qui consiste à dire non, ce n'est plus possible de continuer ainsi, que le changement est souhaité rapidement dans des conditions de sérénité, bien sûr, dans l'ordre, mais qu'il est souhaité de manière unilatérale. Et c'est bien ce que nous souhaitons, que les Algériens s'engagent massivement le 24 février, qu'ils démontrent qu'ils sont concernés par ce sujet et que c'est un sujet majeur qui ne peut être porté par un pouvoir illégitime. C'est ça le sujet. Parce que si nous avions affaire à un régime légitime, à des institutions démocratiques élues librement, de manière transparente, le dossier aurait été débattu à l'intérieur des institutions, il aurait été expliqué aux populations et il aurait fini par un référendum. Or, nous ne sommes pas dans un état de droit et c'est la raison pour laquelle nous dénions à ce régime le droit d'aller plus loin sur ce dossier. Nous savons pour quelles raisons il le fait, puisque le prix des hydrocarbures ayant chuté, le régime sait qu'il n'a plus qu'entre 18 et 24 mois à tenir avec le fonds de régulation et les réserves de change qu'il a par ailleurs, et qu'à un moment donné, il ne pourra plus acheter la paix sociale, que les importations ne seront plus possibles, que les importations, c'est quand même ce qui fait vivre les clientèles de ce régime aussi, et qu'il lui faut d'autres ressources pour continuer à se maintenir
à la tête de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle il se rue sur ce dossier, il veut le faire dans l'opacité et sans consulter qui que ce soit, évidemment. Donc c'est cela aussi le sujet du gaz de schiste, et ce n'est pas uniquement une question, même si c'est important, ce n'est pas uniquement une question d'impact sur l'environnement immédiat ou sur la santé des populations. Nous sommes vraiment sur une affaire nationale, j'insiste là-dessus. Zoher Ruiz, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons largement débordé sur notre temps, mais je vais vous demander, ainsi qu'à nos deux autres invités, vous pouvez, en deux minutes, si vous souhaitez exprimer un message quelconque à l'attention à l'endroit de nos compatriotes qui hésitent à manifester ou qui vont y manifester, je vous en prie, vous avez environ deux minutes. Merci. J'en appelle effectivement à tous les Algériens qui sont installés à l'étranger à soutenir massivement les populations du Sud, à dire non au gaz de schiste, à demander à ce que ce dossier ne soit pas traité par un régime illégitime. Au contraire, il faut qu'on soit à l'intérieur d'un état de droit et que les choses puissent être gérées dans ces conditions. Donc nous les appelons à rejoindre les rassemblements que nous organisons en France mardi 24 février à 17h, donc à Paris, devant le consulat général d'Algérie à Paris, rue d'Argentine, à Lyon, devant le consulat général d'Algérie à Lyon, 126 rue Vauban, mais aussi à Londres, dès 13h, devant le consulat général d'Algérie à Londres, à Hyde Park, mais aussi à Genève, devant le consulat d'Algérie à Genève, route de Lausanne. Voilà, qu'ils expriment massivement leur soutien aux populations du Sud, et qu'ils montrent aussi que nous sommes une communauté nationale et que nous sommes concernés et mobilisés au même titre que les populations en Algérie. Merci Zoher Ruiz, en espérant vous revoir bientôt dans nos autres émissions. Qaddour Chouicha, un dernier mot, un appel à lancer à nos compatriotes. Non, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas croire que c'est un début d'un grand tournant, mais il faut dire que c'est un début de quelque chose qui est à construire. Déloger le pouvoir, déloger tous ceux qui sont dans les différentes institutions ne sera pas facile. Mais il faut bien commencer, donc nous considérons que c'est un commencement. Et nous sommes là pour dire à tout le monde que nous sommes en train de jouer l'avenir de plusieurs générations. Donc nous appelons tout le monde à sortir pacifiquement pour ceux qui veulent monter leur attachement à ce pays, aux libertés, aux droits, à la justice, à sortir et participer pacifiquement avec les militants. Merci Qaddour Chouicha, en espérant vous revoir bientôt. Zineb Azouz, même chose, si vous souhaitez exprimer un appel en particulier à nos compatriotes. J'espère, comme au risque de répéter ce qu'a dit Qaddour, j'espère que ce sera juste un début. Il faut savoir que les Algériens ne sont pas habitués à sortir, ont peur et n'y croient pas surtout. J'espère que y aura un petit sursaut mental pour débloquer la situation et pour dire on sort pour notre dignité. Nous ne sommes pas en solidarité avec les habitants du Sud. Je refute cette formule. J'espère que nous sortirons massivement pour dire ça suffit et il faut qu'on s'organise, il faut qu'on s'en mêle, il faut qu'on se prenne en charge, il faut qu'on dise non. Non à la répression, car il ne s'agit que de cela, encore une fois, non à la répression. Et ce qui se passe au Sud, à Insal ou à Alger, relève du même phénomène. J'espère que les Algériens et les Algériennes sauront sortir de leur mutisme et dépasser un temps soit peu, je le comprends très bien, cette terreur qui nous guette et ces messages de ligne rouge. On sait que la ligne rouge, monsieur Roule, c'est le sang. Et nous savons que le sang ne vous gêne pas. Faire couler du sang ne vous gêne pas. Mais nous ne sommes pas des sanguinaires. Nous sommes des Algériens. Nous nous battrons pour notre dignité et contre vos faussaires, contre vos agents doubles et contre vos diversions. J'espère que le peuple bougera pour sa dignité, pour les chômeurs, pour les harragas, qui sont donc les corps, sont jetés dans les morgues, pour les Algériens exilés chez eux et à l'extérieur de leur territoire. Merci. Zine Bazouz, merci infiniment. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, qawala khair, bislamah.